بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة له الفضل وله الثناء الحسن والصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مخاسر. Donc le sujet d'aujourd'hui va porter sur la secte des wahhabites, pseudo-salafis. Alors il faudrait savoir déjà pourquoi on les appelle wahhabites. Donc on les appelle wahhabites tout simplement parce que ce groupe donc, a été fondé par Mohammed ibn Abd al-Wahhab il y a à peu près 250 ans. Mais en fait ces gens ils prennent l'appellation de salafis. Hein, pourquoi? Parce qu'ils prétendent suivre en fait des gens du salaf, qui sont les gens des trois premiers siècles de l'Hégire. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge de ces gens dans un hadith en disant ce qui signifie Khayru quruni qarni thumma alladhina yalawnahum thumma alladhina yalawnahum. Donc, ce qui signifie le meilleur des siècles, c'est le mien. Puis celui qui suit, puis celui qui suit. Alors il faut savoir que ces gens, hein, les salafs de l'époque, avaient une particularité qui n'a rien de semblable avec les pseudo-salafis d'aujourd'hui. Donc on compte parmi les salafis, donc Al-Bukhari, Muslim, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, l'imam Malik et autres. Ce sont quand même des grands savants. Hein, sur lesquels la communauté donc ils prennent ces gens comme référence. Hein, c'était quand même des illustres savants. Alors je vais tout d'abord, inshallah, vous citer un verset hein, qui dit ce qui signifie, parce que ça va vous permettre de comprendre la suite en fait. Donc ce verset qui dit « Il est celui qui a fait descendre sur toi le livre. On y trouve des versets clairs, qui sont la référence du livre, et d'autres apparemment équivoques. » D'autres apparemment équivoques. « Ceux dont les cœurs penchent vers l'erreur s'attachent aux versets apparemment équivoques en voulant par ça la discorde. » Donc on comprend de ce verset que le Coran, il contient des versets clairs et des versets équivoques. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un verset clair et qu'est-ce qu'un verset équivoque. Alors un verset clair, c'est un verset en fait qui contient un mot dans la langue arabe qui ne peut supporter qu'un seul sens. Je donne un exemple. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Dis lui Dieu est unique. Un autre verset qui dit لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, qui signifie rien ne lui ressemble. Donc là, hein, je vous ai cité des versets clairs. Et qu'est-ce qu'un verset équivoque? Un verset équivoque, c'est un verset qui contient un mot qui peut supporter plusieurs sens dans la langue arabe. Alors je vais vous citer un exemple. Donc l'exemple en fait qui revient le plus souvent est un verset en fait qui a amené quand même pas mal de débats. Ce verset c'est Ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa. Alors je vais vous expliquer. En fait, si on interprète ce verset au sens apparent, hein, ça voudrait dire, hein, c'est pas la vraie interprétation, mais en fait ça voudrait dire que Allah s'est assis sur le trône, s'est établi sur le trône. C'est totalement illogique, hein, ça je l'ai expliqué dans l'audio précédente. Il faut savoir que le mot istawa, dans la langue arabe, il a plus de 10 sens. Il faut être clair. Il a plus de 10 sens. Le mot istawa peut vouloir dire, pour un enfant, istawa, c'est-à-dire qu'il a atteint une certaine maturité. Est-ce qu'on va dire de Allah Ta'ala qu'il a atteint une certaine maturité? Non. Ça peut vouloir dire la nourriture cuit à point. Hein, istawa, ça veut dire cuire à point. Est-ce qu'on va dire de Dieu qu'il cuit à point? Faut être sérieux deux minutes.
Il a aussi le sens redresser une chose qui est courbée. Donc on va pas dire que Dieu il est courbé ou tordu et qu'il se redresse. Ça n'a aucun sens. Et il a aussi le sens de dominer. Donc, en fait, ces versets équivoques, nous devons les interpréter. Et en fait, cette interprétation doit être en fait en conformité avec le verset de base qui dit Laïsa kamithlihi shay, qui signifie rien ne lui ressemble. Tout simplement. Alors pourquoi ces gens hein, qui se disent salafis, hein, prétendent qu'ils sont salafis, je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, à l'époque, les salafs de l'époque, en fait, n'interprétaient pas les versets équivoques pour la simple raison qu'à leur époque, les gens avaient un très haut niveau dans la langue arabe. C'est-à-dire qu'ils savaient que le mot istawa, il avait plusieurs sens. Donc, ils ne jugeaient pas nécessaire d'interpréter ces versets. Puis, les gens du Khalaf, c'est-à-dire ceux qui sont venus après les gens du Salaf, ont trouvé nécessaire d'interpréter ces versets. Parce qu'au fil du temps, la communauté musulmane, hein, les Arabes, hein, se sont affaiblis au niveau vocabulaire, au niveau de la langue arabe. Donc, par peur que les gens, en fait, aient une croyance anthropomorphiste, c'est-à-dire par peur que les gens interprètent ce verset en disant que Dieu s'assoit, parce qu'en fait, le mot istawa, le sens le plus connu des gens, hein, c'est asseoir. D'accord? Mais, en fait, ce n'est pas le sens que l'on peut attribuer à Allah. Car si on attribue à Allah le fait de s'asseoir, ce verset serait en contradiction avec le verset de base qui dit rien ne lui ressemble. Laïsa kamithlihi shay. Donc ces gens, en fait, donc disent qu'il est interdit d'interpréter les versets équivoques et ils disent que d'interpréter les versets équivoques, c'est nier les attributs de Allah. A'oudhou billah. Alors le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une doua pour Ibn Abbas, radiyallahu anhu, hein, Ibn Abbas qui était bien sûr un interprète donc, du Coran, hein, il faisait l'exégèse du Coran, il était réputé pour ça, qui était un compagnon. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, a fait une doua pour Ibn Abbas en disant, Ô Allah, enseigne-lui la sagesse et l'interprétation du Coran. Est-ce que le prophète va faire une doua hein, pour Ibn Abbas en demandant à Allah de lui enseigner l'interprétation du Coran? Si c'était vraiment l'interprétation du Coran, si c'était nier un attribut de Dieu, le prophète n'aurait jamais fait cette doua. Jamais. Donc ce hadith, il est rapporté par Ibn Majah dans son livre Al-Muqaddimah. Dans le chapitre Les vertus d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Et dans une autre version, le prophète a dit ce qui signifie Ô Allah, enseigne-lui les lois de la religion et enseigne-lui l'interprétation du Coran. Dans le Kitab Al-Majalis de Ibn al-Jawzi, page 13. Donc ces gens, en fait, hein, vous allez vous apercevoir de la médiocrité de ces gens-là. Hein. Donc ils disent donc se référer aux gens du Salaf. Hein. Bon, moi je vous dis qu'il n'en est rien du tout. Puisque leur référence la plus ancienne, c'est Ibn Taymiyyah. Alors, Ibn Taymiyyah, déjà, c'est pas un salafi, hein, déjà. Parce qu'il n'était pas dans les trois premiers siècles. Il est apparu au 8e siècle de l'Hégire, Ibn Taymiyyah. Donc c'est lui qui a commencé à innover cette mauvaise croyance hein, anthropomorphiste. C'est-à-dire que eux, dès qu'ils voient le mot yed, ils disent la main. Ils voient le mot visage, ils disent. Enfin, ils voient le mot wajh, ils disent visage. Hein. Ils interprètent directement par visage. Par contre, l'imam al-Bukhari, qui était un salaf, qui était un. Je veux pas, moi je vous ai déjà parlé de l'imam al-Bukhari, hein, je ne vais pas me répéter. Donc dans son sahih, hein, il a interprété la sourate Al-Qasas. Donc il a expliqué un verset équivoque qui dit: Wa kullu shay'in
كل شيء هالك إلا وجهه. Hein, je répète le verset. كل شيء هالك إلا وجهه. Hein? Donc, il l'a interprété. Alors, si on interprète ce verset au sens apparent, ça voudrait dire donc que toute chose sera anéantie, sauf le visage de Allah. C'est ce que disent les Wahhabites. Hein. Ils disent le wajh, c'est la face, le visage. L'imam al-Bukhari, c'est pas ce qu'il a dit. Hein. L'imam al-Bukhari, lorsqu'il a interprété donc ce verset, hein, il a dit illa mulka. Il a interprété al-wajh par al-mulk. Al-mulk, c'est-à-dire la souveraineté. Donc il s'est détourné du sens de face ou de visage. Alors j'ai une question à vous poser, vous pseudo-salafis. Hein? Va-t-on dire qu'Al-Bukhari a nié un attribut de Allah? Va-t-on dire qu'Al-Bukhari est un égaré? Étant donné qu'il a interprété un verset équivoque, alors vous allez dire quoi? Que Al-Bukhari il a nié un attribut de Dieu? Donc de plus, il faut savoir que c'est quand même une grande référence. Hein? Donc Al-Bukhari, qui fait partie des gens du Salaf, qui est mort en l'an 265 de l'Hégire, hein, soit il y a plus de 1100 ans. De plus, l'imam Ahmed, hein, bon, il faut savoir que les Wahhabites se prétendent Hanbalites, de l'école Ahmed ibn Hanbal. Il a dit dans le livre Al-Bidaya wa al-Nihaya de Ibn Kathir, là, Ibn Kathir, vous le prenez aussi comme référence, hein, vous les pseudo-salafis. Donc il a interprété le verset dans Sourate al-Fajr, Waja'a Rabbuka. Waja'a Rabbuka, si on le prend au sens apparent, hein, ce qui signifierait au sens apparent, est venu Dieu. C'est-à-dire, il est venu en lui-même, son corps, il est venu. A'udhu billah. Donc lui, l'imam Ahmed, il a interprété donc ce verset en disant excusez-moi, ja'at qudratuhu, hein, c'est-à-dire que sont venues les manifestations de sa toute-puissance. Il n'a pas dit, il n'a jamais dit Allah Ta'ala il va venir en lui-même. Jamais. Donc va-t-on dire aussi que l'imam Ahmed c'est un égaré? En plus, vous le prenez comme référence. Enfin, vous allez vous rendre compte d'audio en audio, parce que là c'est la première partie, genre, je vais faire plusieurs parties, que vous allez vous rendre compte que ces gens sont médiocres. Donc Ibn Uthaymin, qui est une référence chez les Wahhabites, pseudo-salafis, dans son livre Fatawa al-Aqida, il donne son interprétation au sujet du hadith al-Nuzul. Alors le hadith al-Nuzul, c'est quoi? En fait, le hadith qui parle. Parce qu'en fait, eux, ils disent que Allah Ta'ala, il descend en lui-même. Hein? Ils disent que Allah, il descend en lui-même. Donc, je reprends les termes de Ibn Uthaymin. Hein? Donc, qui dit que c'est une descente véritable de son propre être. Hein? Donc, il dit en arabe, Nuzulullahi nafsahu haqiqatan. Donc, il dit que c'est que Allah, il descend réellement. Hein? C'est un corps qui descend. A'udhu billah. Donc là, on va quand même voir l'explication de l'imam An-Nawawi. Hein? Dans un de ses célèbres livres références qui s'intitule Sharh Sahih Muslim. Hein? Donc l'imam An-Nawawi, vous connaissez tous. Il a écrit un commentaire du recueil de hadith où l'imam Muslim, dans le chapitre de la prière, hein, il a expliqué. Hein? L'imam Muslim, il a expliqué donc ce hadith. Hein? Ce hadith commence par Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya. Donc si on le prend ce hadith au sens apparent, ça voudrait dire que Allah il descend, hein, en lui-même jusqu'au premier ciel, hein, jusqu'au premier ciel, au dernier tiers de la nuit. Donc je vous citerai dans une prochaine audio ce hadith en entier. Sur ce hadith, l'imam Malik, Ibn Anas et Al-Awza'i ont interprété ce hadith en disant que c'est la miséricorde, son ordre et ses anges qui descendent. Alors je vais vous donner un exemple pour rapprocher les idées. C'est comme si on disait par exemple le sultan a fait telle chose dans tel pays, hein, alors que ça a été fait par ses hommes, sous son commandement,
Ça ne veut pas dire que c'est lui qui est venu en lui-même. Donc ça, c'est pour rapprocher les idées. Donc, rendez-vous un peu compte de la médiocrité de ces gens-là. Ils ne se gênent pas pour mentir sur les vrais salafs, les gens du salaf. Hein. Je vais faire, inshallah ta'ala, une deuxième audio. Hein, et on va détailler encore plus, inshallah. Et petit à petit, inshallah, vous allez vous rendre compte, vous allez vous rendre compte de la médiocrité de ces gens. Ya Latif, Assalamu alaikum.